L'ambition des chambres d'agriculture, elle est relativement simple. Elle est d'être présente aux côtés de tous ceux qui veulent imprimer une gestion durable de la forêt sur les territoires. Bien sûr, pas seul, avec nos partenaires. Il y a des partenaires historiques sur la gestion forestière et nous, on veut travailler à leur côté, à notre place, pour gérer durablement la forêt, accompagner l'ensemble des propriétaires forestiers, quelle que soit leur taille, quel que soit leur mode de production, pour produire et mobiliser du bois en forêt, mais aussi, bien entendu, replanter, renouveler la forêt, l'adapter aux enjeux climatiques de demain. Et dans les actions phares que l'on mène sur les territoires, bien sûr, les chambres d'agriculture, c'est l'accompagnement des propriétaires, mais aussi des nouvelles techniques, parler et être le leader de l'agroforesterie sur nos territoires, parce qu'il y a un vrai enjeu aussi pour notre agriculture sur l'agroforesterie. Donc vous voyez, la forêt, elle est au cœur de nos territoires, elle est au cœur des actions des chambres d'agriculture sur l'ensemble de notre pays, et elle est bien sûr en partenariat avec l'ensemble des acteurs forestiers, les services des collectivités territoriales et bien sûr les services de l'État. Donc les chambres d'agriculture veulent vraiment être de ceux qui travaillent aux côtés des forestiers, mais bien sûr pour développer, renouveler notre belle forêt française. L'action phare du réseau des chambres d'agriculture, c'est de mobiliser du bois, mobiliser plus d'un million de mètres cubes de bois en plus d'ici 2025 sur l'ensemble du réseau des chambres d'agriculture sur notre territoire.